Je sais. Vous savez, notre concert d'aujourd'hui, on a commencé avec cette concert-là depuis, ça date d'un an aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous m'avez encore prouvé combien vous êtes derrière moi, combien vous m'avez prouvé en vrai, combien on est plus fort ensemble. Vous savez, il est 3h, il est 4h du matin. Je n'arrive pas à fermer l'œil. Je n'arrive pas à fermer l'œil. Je n'arrive pas à dormir. Vous savez, aujourd'hui, c'est une date mémoriale pour les villageois. On devait avoir notre concert aujourd'hui. Je manquais de mots. Toute la journée, j'ai cherché à vous parler, mais je ne savais pas comment vous aborder et quoi vous dire en même temps. Il y a eu des choses très horribles qui s'est passé aujourd'hui. Mais je vous remercie beaucoup pour votre amour, pour votre implication dans tout ce que je fais. J'ai vu les gens se déplacer de partout. J'ai reçu des milliers d'appels aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup d'appels aujourd'hui. Et je vis comment les gens prenaient le train de partout pour venir m'assister aujourd'hui. Je vous demande pardon, encore une fois, du fait qu'on se pavie en face aujourd'hui. Et c'est inopiné, c'est indépendamment de ma volonté. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de désagréments, de désaccords entre moi, Fabregas, votre artiste, et ma maison de production. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont vraiment pas été à la hauteur. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui n'étaient pas au point. Et ce concert-là, je l'ai rêvé. Je ne voulais pas le faire à la va-vite. Ce n'est pas un concert comme tout autre concert de ma carrière. C'est une première pour moi en France avec toute l'équipe Villanova. Et j'ai voulu le faire très bien. Mais bon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ça ne se passe pas comme vous l'y. Il y a un adage en français qui dit: ce qui ne te tue pas te rend plus fort. On a prévu des choses, on a prévu beaucoup de choses. Et il y a encore un autre adage qui dit que le diable vit dans les détails. Si on va commencer à aller dans beaucoup de détails, on va donner à boire et à manger à nos détracteurs. Pour eux, il n'y a pas d'excuses. Et je n'en veux à personne. Je viens justement m'excuser auprès de mes fans qui étaient nombreux aujourd'hui, qui sont venus de partout pour soutenir Fabregas, pour soutenir Villanova. Il n'y a pas eu concert suite à nos désaccords, à moi et à notre équipe de production. On va s'améliorer, on vous revient prochainement à travers nos postes. On va communiquer pour une prochaine date. Parce que, excusez-moi encore une fois, je ne pouvais pas jouer comme ça. Non, c'est un concert que j'ai vraiment rêvé. C'est un concert de ma carrière. Encore une fois, pour ceux qui avaient pris les billets, gardez toujours vos billets. On va vous faire cette concert mémorable. Je me suis battu toute la journée pour essayer de vous donner ne serait-ce que 40% de cet événement. Mais je n'ai pas réussi. Ce que je n'ai pas réussi aujourd'hui, je sais que je vais réussir peut-être demain. Villageois, restons forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est l'adage de mon assistant, Joski. Encore une fois, merci. Et mille excuses à tous qui sont déplacés. Tout ce qui était là présent, tous les amis de partout, à tous mes fans, je vous remercie infiniment pour votre amour pour moi. Et je suis très heureux de voir beaucoup d'appels aujourd'hui, c'est-à-dire les gens m'ont appelé de partout, les gens m'ont écrit, inbox de partout. Je vous en remercie beaucoup. Veuillez nous excuser, c'est
C'est indépendamment de notre volonté. C'est vraiment. Il y a eu beaucoup d'aléas, il y a eu beaucoup de choses qui ne nous a pas permis de faire cette concert. Encore une fois, merci à vous. J'essaierai de fermer mon œil, parce que demain, je vais prendre mon vol. Je serai en Suède, les amis de Suède.